Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir, présentation du héros légendaire. Ce sera la reine Ananta, suivie du skin que j'ai équipé, que vous voyez à l'écran, donc la reine arachnide, qui va me servir à déclencher le poison à un moment donné. Vous allez comprendre pourquoi c'est plus complémentaire d'avoir ce skin-là si on joue Ananta. Néanmoins, on peut toujours faire un deck poison avec n'importe quel Warlord. Comme vous verrez sur ma vidéo, deck poison. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on place n'importe quel héros, c'est pas important. Je vais placer le prince. Voilà, par exemple. Eric le Gris. Ah, pour l'instant, il n'y a toujours pas Ananta. Le cristal. Le cristal. Décidément, Ananta ne veut pas venir. Ça y est, là voilà. Ah ben c'est bien, elle tombe au bon moment. Alors, du coup, elle poisonne 6 à tous les ennemis. Quand elle empoisonne, à chaque poison déclenché, donc elle va recevoir 6 de santé. Et là, ce qui change, elle a été remake suite à une mise à jour. Et du coup, au plus il y a d'ennemis qui vont être sur le terrain, au plus elle va empoisonner les ennemis autour de la cible. Et en gros, ils vont s'empoisonner entre eux, finalement, si vous préférez. Et au plus ça va empoisonner entre eux, au plus elle va empoisonner fort. Je sais pas si je suis très explicite. Néanmoins, genre, on va essayer déjà de le montrer comme ça. Hop. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a empoisonné 2-6 à tous, plus encore 6. Ce qui fait déjà donc 12. Et là, pareil, on va mettre Ananta ici, pour le côté gauche, du coup. Voilà. Donc ça fait quand même du dégât. C'est un héros qui s'obtient en Ligue 14. Hop. Voilà, donc là on commence à empoisonner du 20, du 30. Voilà, donc comme je disais, au plus ce n'est qui va être empoisonné autour, au plus ils vont prendre cher. Et là ce qu'il y a, c'est que on a Eric le Gris qui n'est pas empoisonné. Donc c'est là où la reine arachnide peut être importante, c'est déclencher directement le poison. Et là, au moins, Ananta, elle va pouvoir empoisonner tranquillement. Là, on s'en fiche, on peut très bien mettre le crapaud, aucune importance. Voilà. Donc c'était pour ça que je voulais montrer cette capacité-là, en fait. Et si on met une deuxième Ananta, évidemment, les effets sont dupliqués. Voilà, donc ça peut faire un sacrément carnage. Et donc voilà, c'est comme ça que se joue Ananta pour faire bref. Il n'y a pas besoin de montrer plus. Si vous voulez voir du gameplay, où est-ce que je joue la reine arachnide avec Ananta, justement, il faut se référer à la vidéo que j'ai dit tout à l'heure. Donc le deck poison avec le skin reine arachnide et Bocur. Je présente les deux. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu pour cette courte vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ou même à disliker, hein, si vous expliquez pour moi, enfin pourquoi c'est cool. En attendant, je vous souhaite de bonnes futures vidéos. Et on se retrouve bientôt dans ma partie. Allez, à plus.